Décoltage. Les hits d'hier et d'aujourd'hui. Podcast. Oui, allô? Marc-Olivier Fogiel? Oui. C'est Jordan. Comment ça va? Bah, pas trop, c'est pour ça que je t'appelle. Je suis en train de faire un burn-out, là, c'est sûr, je le sens. Comme tu fais une émission, là, où tu fais le psy, je me dis, il va pouvoir m'aider. Même hier soir, je me suis surpris à regarder deux épisodes de Motus et je trouvais ça normal, tu vois. Et après, j'ai regardé un épisode de Camping Paradis. J'ai l'impression que le dossier est lourd en même temps, hein. Et déconne pas, Marco, je suis pas bien, je te dis. Ouais, je le sens aussi, hein. Bon, à bientôt, non? Ah, déjà? Bah oui, j'espère que ça va mieux, déjà. Moi, ça va moyen, quand même, parce que tu m'as pas beaucoup aidé, hein. Bah, j'ai fait le maximum de ce que je peux faire. Bah, t'as rien fait. Bonjour le psy, moi je voulais une séance, hein. Bah mardi prochain, 23h devant BHL. Déjà en regardant l'émission, ça ira beaucoup mieux. BFM? Mais c'est pas BFM. BHL, c'est un philosophe. La vache, t'as vu, je divague. Bon, raccroche, c'est mieux pour moi. Oui? Oui, ça va toujours pas. Ah bah oui, je me doute, hein. Sauf que là, moi non plus, ça va plus du tout aller parce que je prépare ma tranche d'info, donc à cette heure-là, ça commence déjà à être un peu difficile pour une consultation gratuite. Je te dis que ça ne va pas. Ce que je peux faire, peut-être, c'est laisser mon portable. Puis moi, je travaille à côté, non? Et mes 260 000 auditeurs, je les laisse attendre comme des cons? Ouais, allez, rappelez-moi 400 000 auditeurs, alors. Bon, je vais appeler Vincent Lagaffe, lui, il va me remonter le moral. Bonjour, vous êtes bien sur Vincent. Elle a... Et bip sonore, et merci, bonne journée, maman. Lui aussi, il est en burn-out, mais qui je vais appeler? Allô? Jean-Pierre Pernaut? Oui, bonjour. Je t'appelle parce que ça va pas. Oui, et alors, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Bah, je sais pas, je me regarde et je suis triste. Si on se regarde soi-même, on ne peut qu'être triste. Bah, merci, super, tu sais remonter le moral aux gens, toi. Donc, tu disais, JP? Donc, il faut regarder autour, et autour, c'est vachement drôle. Ouais. Ça va? Ça va un peu mieux, mais moi, je sais que toi aussi, ça va pas. Mais si, je vais au théâtre déjà voir ma pièce, je l'ai écrite il y a 4 ans. À chaque fois que je la vois, je me marre. Tiens, on sera le 5 juin à Enghien-les-Bains. Ah mais j'hallucine quoi, j'appelle parce que ça va pas, je me dis il va me remonter le moral, et lui il en profite pour faire la promo de sa pièce. Arrête de rire Jean-Pierre, donne-moi un conseil. Moi je sais que quand je suis pas en forme, je regarde autour de moi, et autour de moi tout est drôle. Mais autour de moi il y a que des cons, Jean-Pierre. Mais il y a des tas de choses marrantes dans la vie, tu sais pas. On a les gens dans un bouchon de voiture, on peut soit être triste en disant juste je suis dans un bouchon, puis on regarde dans les voitures à côté, c'est d'une drôlerie insensée. Mais je prends pas la voiture, je prends le métro. Et la dernière fois que j'ai regardé quelqu'un à côté de moi, je me suis pris une tarte. La personne a cru que je l'agressais. Super le conseil, Jean-Pierre. Oh, très bien. Bon, je vais suivre tes conseils et je vais me foutre dans les bouchons pour me foutre de la gueule des gens. Mais avec la chance que j'ai, c'est eux qui vont se foutre de ma gueule. J'ai une Fiat Panda. Jean-Pierre, je fais avec ce que j'ai. Allez, bon courage. Mais en tout cas, je voulais te remercier parce que tu m'as bien aidé. Y a pas de courage, salut. Voltage. Les hits d'hier et d'aujourd'hui. Podcast.